Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Genèse chapitre 3, verset 19. Haïti vivra, saluez-nous. Mission Ebenezer et Naïve, saluez-nous. C'est dans Genèse chapitre 3, verset 19, que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il y a un bagage qui fait un pile de monde mal à l'aise. Non pas confortable du tout, mais nous passons devant le grand cimetière de Port-au-Prince et puis nous avons écrit tout ça. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est un cours, nous ça rappelle non malédiction, malédiction. On est à vivre très bien, ou bien plan ou passer dans la voiture, ou voir nos cérémonies, ou fréquent la rosée, et puis on vient tout de suite rappeler. Mais je dois retourner là, dans ce lieu, dans le lieu du silence. Et puis, côté pas bien vie, côté pas bien mouvement, côté tout plan ça que nous gagnons, qui fait nous déplacer, nous pas gagner encore. Ah, la mort. On dirait que c'est ça, ça fait nous penser. Mais est-ce que pas bon bagage positif dans la fait tu es poussière? Tu retourneras à la poussière. Est-ce que c'est qu'on a pris son côté de malédiction seulement? Mais nous sommes faits de poussière. C'est pas ça? Oui. Donc, le souffle divin en nous-mêmes, c'est vrai. Mais avant même, bon Dieu, te souffler dans nous-mêmes, santé, nous des poussières. C'est-à-dire, avec poussière telle, des points, il fait nous, il nous forme, nous forme, et puis, il souffle dans nous, et nous tourner en être vivant. Donc, on a toujours songé, poussière était là, avant, l'esprit. Mais qui puisse savoir Dieu te voit pour te faire servir avec poussière? Bon, l'homme on te plus apprécier poussière, ça apprécier la terre. Juif, je connais que terre là son bas extraordinaire, ça on te fait avec, on te fait la fait nous avec rien. Nous avons tout le temps grandi à la campagne. Nous ne pas t'en causer ça avant. Nous prenons terre la boue, mais c'est lui-même ou frotter sur nous-mêmes. Et puis tout n'est propre. On a battu nous, on a allé dans n'importe cérémonie avec théâtre, la boîte qui était là. Ça fait me penser que Jésus était venu prendre nos bagages, il a prendre si la boule passait sous les genoux là, les guérir. Nous on ne sait pas de aucune vertu. Mais pas mépriser la boue, peut-être que les gars, chaque fois pour raconter l'histoire guérison, vous obligez de dire. C'est un petit labou qui était passé sur le visage. Chaque fois, il lui parlait de distance, nous. Belle jeune fille, beau type, avec brillant, ça a parlé dans l'autre bois. Chaque fois, parler de monsieur, obligé de dire, c'est à la boule qui est faite. Peut-être nous devons commencer à penser là comme ça. Mais ça va aller plus loin. L'aimons bien avec la terre, et nous connaissons la terre qui va nous manger. Nous venons apprécier Israël. Le peuple que bon Dieu a été choisi pour être capable de glorifier, pour montrer puissance dans le monde, pour montrer qui est Dieu que tu es. Nous, c'est ton peuple qui t'a zami la terre, c'est ton peuple qui t'a fait élevage. De vous dire élevage, il faut dire agriculture, parce que le peuple là, bête, n'est pas capable de vivre sans rien. Ça, la terre, va vivre pour manger. Donc, il faut zami la terre pour être capable d'élever bête. Israël, pendant tout le temps, il était condamné, c'est un peuple de berger. Gros bagaille. Jésus, c'est un juif qui le dit. Jésus a pas un bagaille, il a dit non, ah, là, les oiseaux dans le ciel là, ils ne sont pas semés, ils ne sont pas récoltés, et puis vraiment, regardez, papa me prend soin. Depuis longtemps, le bon Dieu a un plan, et puis c'est sous terre pour l'exécuter, comment c'est réfléchi? C'est l'homme qui est pour collaborateur. C'est l'homme qui va faire le travail à faire. Il fait plan, mais ce monde qui peut exécuter, c'est l'homme. Autant de petits plans, c'est pour que les oiseaux ne pas simés, les oiseaux ne pas récolter. On va manger. Comment on va manger? Bon Dieu va arrêter comme ça, nourrir. Il faut la manger dans le jardin de l'homme. Côté pas de culture, pas de oiseaux. Pas de oiseaux, tout simplement. Ils sont partis, ils traversent des mers même. Ils allaient d'un côté, ils ont planté. Pendant que l'eau a passé, ils sont naïfs. Ils ont un savane de l'espoir. Donc,
Claude était là pendant plusieurs années. Envers nous, toute qualité d'oiseaux, multicolores, oh, soit plus majeur, oiseaux sales. Nous avons souhaité que nous toujours été là. Il y a des gens qui sont très loin, qui étaient intéressés dans l'écologie. Étrangers, même moi, voyager, ils sont venus. Waouh, chute à bord de l'eau, ils prennent photo, et puis ils cherchent qu'on ait non chaque bête, ça y est, côté où ils sont qui bête, comment ils font trouver là. Si tant que pas de l'eau encore, nous regardons, nous avons perdu la qualité de la ça. Alors, richesse, ça dit pour nous. Ça a commencé à développer le tourisme, qui est bon dans ce côté, qu'on savane, désolé. C'est lui, nous venons des savanes de l'espoir. Oui, les oiseaux ont arrêté de nous changer de nom. Mais faut nous, je ne mange pour eux. Si nous ne cultivons rien dans la savane de l'espoir, même Madame Sarah va visiter nous. C'est même pas là pour Zébio. Mais bon, Jésus dit, regardez, j'ai un bel bien habillé, un Salomon dans toute sa gloire, pas habillé dans vous, mesdames. Et puis, qui va nous y aller, on va acheter. Toile, il n'y a pas de coups dans rien. Et puis, il y a un type zèbre, nous-mêmes qui comptons passer dans le champ. Il y a tout pas les mêmes couleurs. Il y a tout, il y a un décor qui est dans le champ. Et puis, il y a des zèbres, Madame Michel, il y a des zèbres guinéens, il y a des zèbres, il y a des là. Mais côté ça sorti, il a existé parce que il y a un monde qui a cultivé. Qui baillent de l'eau, qui nettoyent eux-mêmes. Ou pas occuper eux, après ils mourent, ils vont exister encore. Dieu fait gros plan dans la nature. Il fait la nature belle, mais avec qui on avec l'homme. Et nature, même de voir parler de nature, la nature est matérielle, dit c'est poussière. C'est lui-même qui est belle comme ça. Et qui monde qui chef, qui vont de remettre lui-même. Qui pour cultiver, qui pour faire mettre là dans multiplier, qui pour faire soumettre en bas des lois, qui permettent que vous bien, vous heureux, vous toujours à chanter, puis boire, vous battre main. Qui est-ce qui pour faire ça? L'homme. C'est le chef de la terre. Donc, comme ça, si nous, dans ce temps ça, nous venons comprendre, faut que nous te gagnions un bagaille. Qui en commun avec les oiseaux pour nous capables d'utiliser comme ça pour nous pas manger parce que nous ne pas parler la langue, ne pas comprendre le langage nous, sauf après un petit temps nous avons éduqué, nous faisons tel geste, nous comprenons, nous faisons un geste pour vous voulez balancer, les oiseaux comprennent de voler, et les oiseaux viennent poser sur le même monde pour prendre manger dans le monde parce que nous avons une habitude à voir ou éduquer. Donc nous connaissons des perroquets qui veulent parler même avec nous. Donc nous qu'à éduquer bêtio, nous qu'à vivre bayo, principe, nous qu'à vivre bayo, comportement, attitude que nous avons gagné. L'homme, il c'est le chef de la nature. Que c'est bien l'être là, que ce cheval là, ou qu'à dompter lui, ou bien faire le cheval qui entre dans la compagnie du monde, bien caper n'importe qui monde, un chien qui monte sur le genre monde d'une chita, dépendant de l'éducation par lui. Ça n'amène, mes amis. Est-ce que nous avons méprisé la terre? Et puis nous disons pas dans ce cri, et puis nous suspendons, jouir tout ça qui vient pour nous comme richesse. Je dis à mes abonnés à la médecine qui sortit dans la plante. C'est médecine ça, bon Dieu, de Banou au commencement avant de gagner médecine moderne. Amen. Tant pis, le monde vient nous à nous tourner dans la plante, à nous tourner. Et c'est de ça que Dieu te crée en bas pour nous. En nous réconcilier avec poussière, en nous pas jouer poussière tout le temps, en nous pas mépriser poussière, parce que poussière est un série de secrets. Sinon, là-dedans, nous n'avons pas le droit de nous vivre heureux. En nous réconcilier la nature avec l'esprit, en nous fait que l'esprit bon Dieu à l'aise de venir là quand nous venons visiter la terre, parce que nous faisons la terre et le ciel, nous venons faire yon. Même j'en ai l'homme, corps avec l'esprit, appelez-vous le cababion. Que le cabab consacre, mon cher ami.